La décision de la Ville de Sherbrooke de fermer les puits d'eau potable de l'arrondissement Lennoxville pour raccorder les citoyens au réseau d'aqueduc municipal soulève tout un tollé au sein de la population. Les citoyens en font une question d'autonomie, d'identité même. Pour eux, Sherbrooke fait encore preuve d'ingérence dans les affaires des arrondissements. Depuis quelques années, la Ville de Sherbrooke tente de raccorder l'arrondissement Lennoxville à son réseau d'aqueducs. Cette fois-ci, la décision est irrévocable. Surtout depuis que des tests effectués sur l'un des trois puits révèlent la présence de virus codiphages. C'était peut-être une grande question de dollars aussi, parce qu'il y avait un octroi pour faire ce raccordement qui finissait à la fin 2013. En attendant le début des travaux de raccordement, la ville devra procéder à la chloration de l'eau potable afin de la protéger. Une mesure qui n'est pas sans inquiéter le propriétaire de la microbrasserie, le Golden Lions Pub. L'eau, c'est le premier ingrédient. Il devra dorénavant procéder à sa déchloration afin d'éliminer les odeurs et le goût. Et je pense qu'il y a utiliser une filtration carbonique pour enlever le chlore. Peut-être c'est nécessaire pour faire une addition d'autres minéraux dans l'eau. Des citoyens qui n'ont jamais rien eu à redire sur la qualité de leur eau se disent agacés par cette forme d'ingérence de la ville qui emmène de plus en plus large dans les décisions qui concernent leur arrondissement. Il y a encore des gens qui ont une attitude négative envers le fait qu'on a été forcé à devenir Sherbrooke. Donc, on a perdu notre identité de Lennoxville. La racine est là. Les gens le voient comme ça. Chaque fois qu'il arrive, même si la ville dit bien, c'est pour améliorer les affaires, les gens le voient toujours comme on se fait imposer quelque chose encore. C'est toujours se battre contre les petits changements, puis pour garder notre identité. C'est d'ailleurs dans le but de préserver une certaine autonomie qu'ils ont fondé l'Association des résidents de Lennoxville, qui compte déjà plus de 1 200 membres. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles.